Luigi, c'est lui. C'est lui qui va délivrer Grenoble. À la 95e à Sedan, Luigi Glombard, tu sais que c'est écrit, hein. Tu sais que depuis 2 mois, on refait ce but tous les jours, tous les matins. Luigi Glombard qui rentre, 800 minutes de jeu cette saison, 94e minute de jeu. 1-2 avec Capo, la frappe entre le poteau par la frontière. Puis Gilly m'a dit, si jamais il y a 0-0 à la 90e, je vais faire rentrer Glombard. C'est écrit. Ah non, mais c'est écrit. Ce but, on l'a fait et refait. On l'a crié. C'est écrit quoi, c'est le dessin. C'est toi qui vas envoyer Grenoble en Ligue 1, dis-toi bien ça. Regarde-le avec son Audi A3, les vieux là. Il avait. Ah, mais lui, il avait une Fiat Uno là, il y a 3 semaines, ça y est. À 94e minute de jeu, Luigi Glombard qui va rentrer. Il reste 30 secondes dans le temps additionnel. Il n'a joué que 700 minutes cette saison. 700 minutes à peine pour le jeune Luigi Glombard qui nous vient du FCNA qui n'a pas réussi à s'imposer. Il n'a pas réussi. Luigi Glombard qui va combiner le 2 avec le Macron. Austral, il arrive à l'entrée de la phase de réparation. Luigi Glombard qui frappe. Non, la faute, le but. Oui, Luigi Glombard qui nous expédie en Ligue 1, Luigi Glombard qui signe son contrat à vie avec le GF38, Mécha Bazarevic qui court dans les bras de Stéphane Gilles et le GF38 qui l'eut cru, qui monte en Ligue 1, un but à 0, 95e minute, Grenoble s'impose au salut du Gauguez. Excellent, excellent.